Père, je m'appelle Matondo, tout le monde m'appelle Mamati. Je suis coopératrice de l'Opus Dei. Je travaille au service de base et je suis très contente et fière de mon travail. Oui. À travers la formation que je reçois dans le centre de l'Opus Dei, une place importante est accordée à la famille. Oui. Au service de base, nous essayons de vivre de façon concrète cette ambiance familiale et l'esprit de service. Et cela me plaît beaucoup. Sachant que ceci est le fruit de l'esprit de l'Opus Dei, nous voudrions vous remercier pour cela et avons préparé un petit cadeau pour vous. Ah oui? Il s'agit d'un tableau représentant une femme de campagne se rendant au champ avec sa houe à l'épaule, son bassin sur la tête et son bébé au dos. Elle combine de cette façon la vie familiale et la vie professionnelle. Merci, merci, merci. Merci à tous. Merci. J'en profite pour vous demander deux choses, Père. La première est une question. Que pouvez-vous nous conseiller à ceux qui ne pouvons pas amener nos enfants au travail comme cette femme, mais qui cependant devons aussi combiner la vie professionnelle à la vie familiale? Oui. La deuxième est une demande que nous voulons vous formuler. Comme vous l'avez remarqué, toutes celles du service de base, nous sommes venues à la réunion avec nos uniformes de service, bien que le travail ait déjà pris fin. C'est parce que nous voulons vous demander s'il est possible de prendre une photo avec vous à la fin de la réunion. Je pense. Merci. Je pense qu'il est possible la photo. Merci. Et también quería deciros que es muy importante que la vida de familia de vuestras familias, que son familias nuestras, yo quiero mucho a vuestras familias, pero la vida de vuestras familias, que la cuidéis, que respetéis los horarios y que en Cole y en el ISI muchas veces el trabajo será duro, exigente, y no tenéis derecho a llegar a casa con una cara cansada. Tenéis que, antes de entrar en la casa, miraros en el espejo, vosotras que os gusta mucho miraros al espejo, y una sonrisa, sourire. Y après, demandé, ¿comment ça va, mon cher? Y a la vez, comprendo, porque ocurre en las clínicas, que muchas veces las intervenciones médicas requieren más horas de las que se podían esperar. Por ejemplo, yo no digo que ahora se esté haciendo, pero llegará el momento en que también se harán trasplantes. Y a veces puede darse el caso de que no lleguéis a la hora prevista. Pero lo que tenéis que hacer es tener detalles y llamar a vuestros maridos, a vuestras mujeres, y decir, mira, hay un caso importante que no puedo dejar de asistir y por lo tanto llegaré un poco más tarde, pero pienso mucho en vosotros y ofreced este retraso por la familia. Es importante que Moncole sea también familia como la familia de vuestros hogares y que os ayudéis unos a otros para vivir el horario que tenéis de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. D'accord? Thank you.